thank you Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni encore cet après-midi. On a passé une magnifique journée. Bon moment pour fraternelle. Merci Seigneur. Nous allons continuer l'étude de notre chapitre 3 des Philippiens de ce matin. Nous allons nous lever si vous voulez bien. Alors nous prenons Philippiens chapitre 3, nous allons lire la fin du chapitre. À partir du verset 15. Alors donc je prends le verset 14 pour introduire. Donc on s'est arrêté à ce verset, le verset 14 qui nous dit je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Au verset 15, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur, sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes les choses. Amen. On va demander la grâce de Dieu. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce parce que tout est grâce avec toi. Tout ce que nous avons, Seigneur, nous l'avons par plus grâce, Seigneur. Nous savons que nous ne méritons rien, Seigneur, mais combien tu nous aimes, combien, Seigneur, tu nous chéris, Seigneur, combien, Seigneur, tu nous portes, Seigneur. Et chaque jour, nous voulons, Seigneur, te témoigner cette reconnaissance, Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons pour ta douce présence au milieu de nous. Nous prions, Seigneur, que tu continues à bénir, Seigneur, cette journée. Que, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi soit chassé de ces lieux au nom de Jésus. Que toi seul, notre Dieu, prenne l'absolu contrôle de ces moments. Seigneur, sois béni et sois loué à jamais. Merci de bénir mon frère, de bénir ma soeur, de te glorifier pleinement cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour vous asseoir. Alors ce matin, nous avons parlé, de, pour ceux qui étaient là, peut-être qu'il y a d'autres qui nous ont rejoints, entre temps, de la vie de l'apôtre Paul en particulier et du chrétien en général, qui doit être une course, une course victorieuse, une course où, euh, euh, dans laquelle, je veux dire, on ne s'engage pas à la légère, une course où on ne s'engage pas en se disant, bon, je vais courir pour... Euh, comme j'entends souvent dire, l'important c'est de participer. Non, une course où on s'engage en sachant qu'on vise la victoire, qu'on veut aller jusqu'au bout et que le Seigneur nous aidera dans, dans cette course. L'homme de Dieu donc se compare à un athlète, un athlète concentré dont la détermination à remporter la course est sans faille. Quand l'apôtre Paul, je vous disais ce matin, quand il dit Oublions tout ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. Il fait, donc on va dire, on va, il fait abstraction totale. Il se comporte donc à cet athlète. Vous savez, on voit souvent l'athlétisme à la télé. Comment ils sont positionnés Même si le stade est en train d'hurler, même s'ils si sont en train de crier son nom, lui, l'athlète, il est concentré sur la ligne d'arrivée. Il est tout tendu, comme je disais tout ce matin, il est tout fixé sur la ligne, son objectif, peu importe le brouhaha qu'il y a dans le stade. Peu importe les hymnes nationaux et tout ce qui peut se passer, lui, il est concentré sur la ligne d'arrivée. Le but, c'est d'arriver au bout. Bien aimé, le danger, ça, on doit le savoir, le danger, c'est de participer et d'être dans cette, dans cette logique hein, où on dit que l'important, c'est de participer. L'enfant de Dieu, l'important, ce n'est pas de participer seulement c'est de participer et de gagner. Parce que le but, bien aimé, c'est en ce jour, Dieu fait grâce que nous puissions parler de ça. Mais je, je pense que le Seigneur veut nous pousser à aller jusqu'au bout. Quelles que soient les situations que nous pouvons traverser, connaître, quelles que soient les difficultés de CDD en CDD, de CDD, tout ça. Mais un jour, le CDI va arriver. Alléluia. Parce que l'enfant de Dieu, c'est celui qui vit par la foi et qui met sa foi dans le Seigneur. Qui sait qu'avec le Seigneur, rien n'est perdu. Même si le monde dit que c'est fini. Là où le monde dit que c'est fini, d'ailleurs, c'est là où le Seigneur dit Bon, ben maintenant, c'est là où ils vont voir ma gloire. Alléluia. Jusqu'au bout, Seigneur, avec toi. Jusqu'au bout. Et l'athlète, il est celui-là qui regarde la ligne d'arrivée. Il, il est celui qui est fixé sur la ligne d'arrivée. Il, il s'est entraîné pour ça. Il a il fait des gènes, des prières. Il, il s'est fait des assaises. De, il a tout donné pour ces jours-là. Et quand il est dans. Dans, dans, dans le stade, il sait que aujourd'hui, c'est ma journée. Aujourd'hui, je dois aller jusqu'au bout. Et, ça, et il nous montre cette détermination qui est sans faille. Il fait donc abstraction de ce qui se passe autour et de ce qui s'est passé avant. L'athlète qui est là aujourd'hui, peut-être qu'il a déjà perdu des courses. Peut-être qu'il est déjà tombé dans d'autres courses. Mais ce jour-là, il est là et dit, j'oublie la chute d'hier. J'oublie la méforme d'hier. J'oublie les blessures passées, mais aujourd'hui, mon but, c'est d'aller jusqu'au bout. Alléluia. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Vers le but. Bien aimé, que cela soit le prière, la prière de chacun, que cela soit la détermination de chacun de nous. Cette expérience n'est pas que pour lui et elle est pour tous. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs, on va prendre dans 1 Corinthiens chapitre 9. On voit comment, quand euh, l'apôtre Paul dit, que, dit des choses, il ne les dit pas seulement pour, euh, pour le dire, je le disais déjà ce matin, mais c'est parce qu'il le vit, parce que c'est sa vie. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, on va prendre même à partir du verset 22, il est dit J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous. C'est quelqu'un qui était dans la détermination de, de sauver de vie, de gagner de vie euh, des âmes pour la gloire du Seigneur. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul rapporte, remporte le prix? Tout le monde court, mais il y en a un seul qui est décidé à aller jusqu'au bout à remporter le prix. Courez de manière à le remporter. bien aimé, c'est cette exhortation que je veux laisser sur votre cœur cet après-midi en ces jours. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Il ne court pas pour courir. Je répète ce que je disais tout à l'heure. Il court pas pour courir. Il dit Je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je cours non pas comme à l'aventure. Je ne suis pas là pour, pour, pour faire de la figuration, en fait, on va dire. Vous savez, il y a des courses où on met. Comment ils s'appellent d'ailleurs le. Ah, j'ai oublié. Il y a un nom qui disait le. Les lièvres. Les... Ben oui, il y a des gens qui mettent pour entraîner les autres, je ne sais pas. Les lièvres. D'accord, c'est ça, en fait. Donc je ne cours pas pour faire de la figuration, pour que quelqu'un d'autre gagne. Parce que c'est ça le but des de, de lièvres qu'on met là. Il va courir pour que qu un autre vienne. C'est ça? Voilà, bon bref, mais il court pour qu'un autre vienne battre le record du monde. Mais là, ce n'est pas le pour lui, ce n'est pas le but. Je ne cours pas pour qu'un autre gagne, mais je cours, non comme à l'aventure, mais je cours pour remporter le prix. Je frappe non pas comme battant l'air. Mais j'ai très durement mon corps. Donc, il se, il se met toutes sortes, il fait toutes sortes de, de sacrifices pour que ces jours-là soient euh, les jours de victoire pour lui. Bien aimé, en tout cas, cet après-midi, courez de manière à remporter le, le prix. Je vous disais donc, si dans le monde, les gens ont de l'ambition pour être quelqu'un, je vous ai donné l'exemple de cet ami qui veut lui prendre la place de. Celui qui est au-dessus de lui. Dans l'Église bien aimé, nous devons avoir l'ambition de réussir notre vie spirituelle et de toujours ressembler au Seigneur. Le but, c'est toujours d'être comme Christ. Le but, c'est d'être de tendre vers la perfection. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, des hommes parfaits, ayons cette même pensée. L'apôtre Paul dit donc prenez l'exemple que je suis. Donc nous tous qui sommes de, 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 parfaits, c'est-à-dire que nous sommes mûrs dans le Seigneur, parce qu'après des expériences diverses et variées, nous sommes des enfants de Dieu, nous avons des expériences. Maintenant que vous savez que même moi, l'apôtre Paul, parce que Paul avait une grande considération dans cette assemblée, c'est lui qui est à la base de l'assemblée, donc le, il avait une, une énorme autorité. Et les gens pensaient qu'il était, lui, il était parfait, qu'il avait déjà tout réussi. Et là, il leur rappelle que non. Même moi, je me force encore d'aller jusqu'au bout. Et combien si moi, je me force d'aller jusqu'au bout, vous devez aussi faire la même chose. Nous tous, donc, qui sommes des hommes parfaits, ayons cette même pensée. C'est important dans l'Église de s'entraîner les uns les autres. Qu'il n'y ait pas un seul qui reste sous les carreaux, mais qu'il tous ensemble, que nous soyons entraînés afin que nous puissions remporter cette course. Et je vais dire cet après-midi combien c'est triste si, après avoir couru, même si on parle individuellement, mais au final, c'est tous ensemble que nous voulons nous retrouver au ciel. Cela va de soi, que tous ensemble nous voulons euh, être avec, euh, avec le Seigneur. Mais cela passe par l'effort de chacun. L'Église, c'est toi, c'est moi, c'est tous ensemble. Et combien nous avons besoin, bien-aimés, de, de, de grandir dans la foi, de grandir euh, spirituellement. Alors, c'est une exhortation, quand il dit ça, c'est une exhortation à ne pas se contenter du peu avec le Seigneur. Quelquefois, on se contente de ce qu'on a, seulement ce que j'ai pu avoir avec, euh, avec le Seigneur. Moi, je me contente de ce que j'ai vécu. Non, que chaque jour, que nous puissions encore renouveler notre expérience avec le Seigneur. Chaque jour, que nous puissions encore franchir des paliers avec le Seigneur. En vouloir toujours davantage. Le danger qui nous guette, c'est de se relâcher et de laisser les champs libres au diable. Vous savez, quand on a l'impression que tout est acquis, on n'a plus envie de rien, on n'a plus envie de bouger. Le chrétien qui pense que tout est acquis, il ne va plus lire la Bible. Oh ben la Bible, je la connais. De Genèse à apocalypse moi je connais, ah, je connais la Bible, qu'est-ce que tu vas, qu vas m'enseigner? Le chrétien qui pense que tout est acquis ne vient même plus aux réunions de l'église. Mais qu'est ce que le pasteur va me dire? Moi je suis sur internet, je regarde des choses et moi je connais. Le chrétien qui pense que tout est acquis, c'est celui qui euh, n'est plus dans la communion fraternelle. Les choses de l'église, les choses de la vie de l'église ne l'intéressent plus. Mais lui, il connaît tout. Lui, il vit sa vie. Non, moi j'attends Jésus. Moi, pour moi, tout est, tout est parfait. Mais là, c'est là qu'on est en danger. Parce que quand on est comme ça, bien aimé. En fait, on n'a plus faim et soif des dieux. Mais par contre, quand on se dit que Seigneur, j'ai encore des choses à apprendre avec toi. Seigneur, hier j'ai appris des choses, mais combien je veux encore en apprendre aujourd'hui. On a toujours cette faim, cette soif renouvelée en nous, bien aimé, et c'est de là que qu'on va de progrès en progrès. Vous savez, la Bible, on la lit aujourd'hui. Le même verset que tu as lu ce matin, tu le relis l'après-midi, le Saint-Esprit t'éclaire encore. Même sur une petite virgule, incroyable. Il y a un, un petit mot, tu es passé dessus plusieurs fois, tu es revenu, tu l'as lu pendant des années, mais un jour, c'est ce mot-là qui va flasher, et ça, ah, ben, c'est comme ça. Mais combien d'entre nous, on pense que, ah ben moi, les quatre évangiles, bon, je les connais. Mais bien aimés ayons cette humilité de savoir que rien n'est acquis. Ne nous, nous mettons pas en danger. En pensant que voilà, pour moi je suis chrétien, mais oui, ça fait 20 ans. Personne ne sera sauvé, je l'ai dit souvent, mais personne ne sera sauvé parce qu'il est resté 20 ans, 30 ans à l'église. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'années passées dans une assemblée ou en ayant l'étiquette de chrétien. Ce qui compte, c'est le jour J. C'est le moment venu dans quel état le Seigneur va te trouver. Si tu as passé 30 ans à l'église et que la dernière semaine, ou la dernière semaine, tu dis bon... Mon Seigneur tarde à venir, on a eu l'occasion d'en parler ici. Et puis on se met à faire sa vie comme bon te semble. C'est fini, on oubliera les 30 ans passés. Donc combien nous devons veiller sur nous-mêmes, combien nous devons faire attention, combien chaque jour, Seigneur, je vais te ressembler, combien chaque jour, Seigneur, je vais faire des progrès avec toi, combien chaque jour, Seigneur, je vais apprendre avec toi. On peut prêcher aujourd'hui sur Philippiens 3, moi je prêche aujourd'hui, demain le pasteur de Néman ou quelqu'un devra prêcher. Et il y a des choses que moi je n'ai pas dit aujourd'hui et que lui va encore dire, parce que qu'il va encore voir une autre révélation, une autre vision de, de, de la chose extraordinaire, sans se contredire, mais ça se complète. Quelle grâce, quelle richesse qu'il y a dans, dans la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous appelle à croître, croisser dans la connaissance du Seigneur. Et ça c'est important. Et si on n'a plus faim et soif, Bien aimé, c'est la mort. On a, on a le sentiment, évidemment, que tout est acquis, on sait tout et on n'a plus besoin de rien. Et quand on n'a plus besoin de rien, on est en danger. Il est important donc d'être vigilant sur notre attitude spirituelle. Nous devons veiller sur nous-mêmes pour ne pas tomber dans l'orgueil spirituel. Vous savez ce que j'ai décrit là, le, le, celui qui vient plus à l'église, qui lit plus la Bible, qui n'a plus besoin de, de, des autres, il tombe dans l'orgueil spirituel. C'est comme l'histoire du pharisien, on va les lire d'ailleurs dans Luc, les, du pharisien et de, du publicain, Luc chapitre 18. Luc 18, à partir du verset 9, il nous est dit Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes à cause de sa religion, ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre républicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Vous savez, les pharisiens, c'était des légalistes, c'est des, des, des religieux, c'est des gens qui pensaient euh, connaître tout de la loi de Moïse. Donc pour eux, il n'y avait pas besoin de, de qu'on leur dise quoi que ce soit. Ils connaissaient tout, évidemment. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas, comme le reste des hommes. » Qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, il pointe du doigt l'autre. Il est en train de juger l'autre. De, de quel droit, tu juges ton prochain Qui, qui t'a donné cette prérogative de juger les autres Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne. Deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Il est en train en fait, de se dire, voilà, c'est moi. Dieu, tu n'as rien à me reprocher. Dieu, je suis en règle avec toi. Pour moi, tout va bien. Je gêne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains, c'était là à distance. Les publicains, vous savez, c'était. Ils étaient mal vus. Hein, c'est des gens qui récoltaient l'impôt pour les Romains, c'était comme des, des traîtres. Le publicain s'éteignant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant ô oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Ô oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Cet homme reconnaît sa faiblesse, il sait qu'il ne mérite rien, il a, il a même honte de lever les yeux vers le Seigneur. De regarder, de lever la tête. La Bible dit n'osait même pas lever les yeux au ciel, c'est sachant qu'il ne mérite rien qu'il s'attend à la grâce, à la grâce du, 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 du Seigneur. Il s'est frappé la poitrine, il reconnaît donc son péché. Ô oh Dieu, sois apaisant vers moi qui suis un pécheur. Et le Seigneur dit je vous l'ai dit, celui ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Ça, c est, c est des, malheureusement, c'est des, des, des cas comme ça qu'on trouve aussi dans, dans nos assemblées. Il y a des gens qui sont tellement spirituels qu'on n'a on a pas besoin de les enseigner, qu'on n'a même pas besoin de les reprendre, parce qu'ils connaissent tellement la Bible, qu'ils connaissent même la Bible mieux que les pasteurs. Ah, ben, le pasteur, il a dit comme ça. Non, 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 ce verset, ce n'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter, hein. Ah non, non, venez-moi, je vais vous expliquer. Il contredit même son pasteur. Parce que lui, pour lui, tout va bien. Lui, il est au-dessus de tout. Lui, il a son, sa relation privilégiée avec Dieu. Il n'a même pas besoin de pasteur. Quel danger. Et on a c'est l'exemple de ces gens-là, de ces pharisiens. Ah oui, moi, tout tout va bien. Mais quel danger de croire que tout va bien, alors que le Seigneur nous dit ici que celui-là va rentrer chez lui justifié et le pharisiens. Lui ne l'a pas été. Quelle tristesse. Au point où nous sommes parvenus marchons d'un même pas, ensemble, l'homme de Dieu donc invite l'Église à marcher d'un même pas. L'apôtre exhorte les Philippiens à poursuivre leur progrès avec le Seigneur, de ne pas s'arrêter en chemin, car à partir du moment où on s'arrête, de lire la Bible, comme je disais tout à l'heure, de venir à l'Église, de croire que tout est acquis, nous risquons la chute. Au point où nous en sommes, bien aimés, allons de l'avant. Avec ce que Dieu nous donne, bien aimé, allons de l'avant. La, de ne pensons pas que c'est gagné et que voilà, que voilà tout euh, pour moi, il n'y a plus besoin. Soyons comme l'apôtre Paul qui dira à la fin de sa vie, parce qu'il a tenu bon malgré les épreuves. Vous savez, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un de, de, de vraiment extraordinaire. Cet homme, nous connaissons son histoire, il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, il a un aperçu du ciel dans 2 Corinthiens 12, et cet homme va subir quand même des épreuves terribles dans sa vie, et il va finir sa vie en prison à Rome. Et malgré cela, l'apôtre Paul pourra dire dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, j'ai combattu les bons combats, j'ai combattu les bons combats. Vous savez, je disais tout à l'heure par rapport à l'athlète, par rapport au, sport, au sportif, quand il dit que je frappe, non comme battant l'air, c'est-à-dire c'est comme le boxeur, il n'est pas en train de donner le coup dans le vide, mais il frappe pour faire mal. Il frappe l'adversaire pour que l'adversaire soit à terre. Parce que on est dans un combat, la vie c'est un combat, et la vie spirituelle c'est encore plus, parce que plus tu t'engages avec le Seigneur, plus tu seras encore menacé dans ta vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi depuis que je suis devenu chrétien, c'est là que ma vie a changé. Parce que si on est si on est chrétien, okay, on n'est on pas combattu. C'est que le diable dit non, il ben, n'y a rien, euh, rien à faire pour lui. Il laisse tomber. Il n'y a rien dedans. Mais tu vas connaître des épreuves, tu vas connaître des, des difficultés de toutes sortes. Tu auras des tribulations de toutes sortes. Au point même de te poser des questions, Seigneur, tu es où Seigneur, on m'a dit qu'en devenant chrétien, j'aurais la vie euh, tranquille. Mais c'est le contraire qui se passe. Seigneur, mais je, tu es où mais quand on voit la vie de l'apôtre Paul, moi, ça me, ça, me, ça me réconforte dans la pensée de continuer à, à, à m'attacher au Seigneur. Parce que cet homme qui a vu Jésus sur le chemin de Damas, cet, cet homme qui a, qui a été transporté au ciel, mais qu'est-ce qu'il n'a pas subi Battu, laissé pour mort, hein, dans la faim, dans la nudité, dans la soif, il a tout connu. Et même, il va finir sa vie en prison. Mais. Grâce soit rendue à Dieu, parce que moi, quand je vois comment il a fini, j'ai béni le Seigneur, parce que je dis, Seigneur, même si sur cette terre, on passe par des moments difficiles, euh, vraiment, c'est comme c'est écrit, c'est qui importe ces, ces jours-là avec toi. Et l'homme de Dieu va dire dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat. Je n'ai pas frappé le voisin, je n'ai pas frappé ma soeur dans l'église, mon frère dans l'église. Je n'ai pas été là pour critiquer les autres dans l'église, mais j'avais un adversaire, les diables. » Parce que ton anniversaire, ce n'est pas ton frère dans l'église. Quelquefois, nous-mêmes dans l'église, on est en train de se tirer. Je disais encore ce matin, on est en train de se tirer dans le, dans le pied, on est en train de se critiquer, on est en train de s'insulter, on est en train de se médire les uns contre les autres. Quelle tristesse. On perd notre temps. Nous perdons notre temps à se, à, à se bagarrer, on va dire, entre nous. Mais le combat, il est ailleurs. Pendant que tu es en train de critiquer ton frère, ta soeur de l'église, tu, tu perds ton temps. Au lieu de gêner, de prier pour que l'ennemi soit terrassé, toi tu es en train de critiquer les frères de l'église. Ou les sœurs de l'église. Qu'est-ce que tu gagnes Rien du tout. Le bon combat, le combat de la foi, de se mettre à genoux pour les âmes en détresse, pour les frères, les sœurs qui sont dans des besoins, pour ton église, pour qu'elle aille de l'avant, pour, pour ta ville, comme dit la, 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 la parole de Dieu, pour le pays où nous sommes. J'ai combattu le bon combat. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu combats le bon combat Ou tu perds ton temps à des futilités. J'ai achevé la course, oui, la course. Et il a parlé de la course dans pratiquement toutes ces épîtres. Et là, il dit J'ai achevé la course. Alléluia. J'ai été jusqu'au bout. J'ai gardé la foi. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, il est capable. Cet homme peut dire, désormais, parce que là, il est convaincu. La couronne de justice m'est réservée. Quelle grâce. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Quelle conviction. Bien-aimé, cet après-midi, j'aimerais vraiment que cela soit de même pour nous. Que dans ta vie de tous les jours, dans ta vie chrétienne. Que tu ne perdes pas ton temps à des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, mais que tu puisses avoir cette pensée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, oui Seigneur, j'étais dans cette course et je l'ai gagnée, oui Seigneur, j'ai gardé la foi, quelles que soient les épreuves, oui Seigneur, désormais je sais que la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et l'homme de Dieu qui ne tire pas la couverture à lui seulement, il dit, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce qu'aujourd'hui, si cela arrivait, est-ce que mon frère, ma soeur, tu seras à même de dire, oui, Seigneur, je sais que j'arrive au bout, mais Seigneur, je sais une chose que j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé ma course et que vraiment, Seigneur, je sais que j'ai gardé la foi et que je sais que la couronne de justice, Seigneur, tu me la donneras. Que cela soit, je veux dire, cet après-midi, les cris des cœurs de chacun de nous. En quittant cette assemblée, mon frère, ma soeur, que tu puisses partir avec cette pensée que peut-être si j'ai perdu mon temps dans des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, mais Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais combattre les bons combats. Je vais poursuivre la course. Je vais oublier tout ce qui est en arrière. Je vous ai dit ce matin, que ce soit mes échecs, que ce soit mes succès, parce qu'on en a eu aussi. Mais tout ça, c'est du, du passé. Mais je tends vers le but. Je cours pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine à tous. Amen.